Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. Je vais pas faire long dans l'introduction parce que franchement j'ai pas le temps. Aujourd'hui je suis en mode speed, en mode cleaning, en mode ménage. Je vais faire le ménage du haut surtout. Aujourd'hui c'est ma journée, j'allais être vulgaire. C'est ma journée rangement de linge, pas rattrapage de linge ni lavage de linge. Bon, j'ai une petite machine à faire, mais je fais toutes les machines et tout. Je suis pas en retard de machine. Mon mari les a pliées, etc. Juste, il faut les ranger et des fois, ça prend au moins une semaine chez moi. Je préfère me prendre une journée et faire ça, comme ça, je suis tranquille. J'ai pas l'impression de le faire tous les jours. Bref. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous embarque dans une journée ménage. J'ai pas le temps, je vais pas blablater. À la base, je voulais même pas me maquiller, je voulais commencer directement. Mais je me suis retrouvée devant mon café en train de me maquiller, je ne sais pas comment. Bref, je vais attacher mes cheveux et je vais démarrer directement. C'est ma journée off. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hier soir, mon mari m'a dit « Ah, demain, t'es en off et tout. Tu bosses pas, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai rigolé. Vraiment, j'ai ri, mais j'ai ri. Il m'a dit « Tu vas te reposer ?» J'ai dit « Ouais, je vais me reposer, ouais. » Non, je vais pas me reposer, je vais rattraper parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous, j'étais beaucoup à l'extérieur, etc. Donc bon, c'est pas non plus un carnage, hein, mais il y a beaucoup de linge à ranger. Et bref, nettoyage, sanitaire, salle de bain, chambre, coup d'aspi, etc. Donc voilà, je vais commencer directement. En plus, il y a la tondeuse à faire et tout, vu que j'avais plus tondeuse, j'en ai emprunté une. Et fallait que j'attende un beau jour pour le faire. Donc je pense que ça va être programme aujourd'hui, tondeuse, ménage, linge, motivation, désencombrement, tri, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Oui, toute ma vie je suis dans le tri, je suis dans le désencombrement. Mais en fait à chaque fois je fais pas, quand je rentre dans une pièce, je fais pas toute la pièce d'un coup, parce que sinon ça va me paraître trop, j'ai pas envie de rester 4 heures dans une pièce. Donc je fais petit peu par petit peu, et donc à chaque fois bah, j'y reviens forcément. Mais franchement, ça me va. Comme mon dressing, j'ai commencé par la partie penderie. Ensuite, j'ai fait la partie à gauche et puis à droite. Bref, pareil pour les étagères, etc. Et là, je viens de me rappeler que dans mon dressing, il y avait une valise, une grande valise tout au fond derrière. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et je crains qu'elle soit remplie. Mais je ne sais pas de quoi. Bon, elle va être remplie de fringues, mais je ne sais pas lesquelles. Donc, il va falloir que je m'attaque à ça aussi. Ah là là, vraiment, non mais ne me jugez pas, vraiment là je vais vers le moins, là. Je vais vers le, pas le minimalisme on va dire, mais en tout cas je vais vers le beaucoup beaucoup moins. Moi j'étais une accumulatrice, une acheteuse compulsive, une surconsommatrice, hein, faut se l'avouer, on va pas se mentir. J'ai accumulé énormément de choses, je gardais énormément de choses, c'est ça le mot. Je gardais pour me rassurer énormément de choses dont j'avais pas besoin. Et même quand je recevais des choses, etc., j'aurais pu m'en débarrasser directement. Il y en a, je m'en débarrassais, je les donnais. Et il y en a, je les gardais au cas où. Vous savez, ce au cas où. Au cas où dans ta penderie, au cas où je remaigris, au cas où je regrossis, au cas où j'ai des invités pour la vaisselle, au cas où les enfants veulent rejouer avec dans 10 ans. Bref, ce au cas où là, c'est celui-là qui nous bouffe notre intérieur. Donc c'est pour ça que là, je suis en train d'y remédier. Bref, j'avais dit intro pas trop longue, c'est parti. Bon, première chose que je vais faire là tout de suite, c'est lancer une machine. Comme d'hab, comme ça au moins c'est fait. Ça tourne pendant que je fais le reste. Bien sûr, avant de lancer une machine, je fais le tour de tout. Les bacs à linge sale. Comme ça, j'oublie rien du tout. Du coup, c'est bon, j'ai rempli la machine. Donc là, c'est une machine que des vêtements des enfants. Bon, il y a un pyjama à moi seulement. Bref, donc j'ai mis la lessive directement dans le tambour pour plus d'efficacité. Par contre, l'adoucissant, je le mets toujours ici. Sinon, il se consume trop vite et vous n'avez plus l'odeur à la fin.
Franchement, celui-là, ils sont trop trop bons. C'est le Lénore. Attendez, je vais vous montrer. Hop. C'est celui-ci. Vraiment une odeur sur le linge qui reste magnifique. Donc, c'est parti. Moi, je mets toujours 40 1200 essorage. Et après, ici, c'est une machine qui va peser, en fait, ce qu'il y a dans le tambour. Vous voyez, vous entendez? Elle pèse et après, elle met le temps toute seule. Généralement, c'est... Vous voyez, quand ça tourne comme ça, à peu près une heure... entre 1h20 et 1h35, ça dépend. De ce que j'ai mis là, j'ai pas trop blindé, donc on va voir ce qu'elle va dire. Si vous vous demandez pourquoi j'ai laissé le plastique sur le tambour de la machine, cette machine, c'est parce que je l'ai depuis 2 ans et les enfants m'ont déjà cassé le tambour 2 fois. Donc je laisse le plastique pour bien qu'ils voient qu'elle est, il est neuf et qu'ils fassent attention. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'elle ajoute de linge. Ah ben voilà, 1h20. Et à l'ajout de linge, si vous oubliez une chaussette, quelque chose, vous vous rendez compte que vous avez oublié un truc dans le panier, de linge sale, vous pouvez appuyer là et ça s'ouvre. Bref, let's go, on continue. Bon, j'ai tout ce linge à ranger. Il y a 3 paniers. Bon, il y a le sac de sport de mon fils. Je l'ai lavé aussi. Là, en ce moment, je lave tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une manie, une lubie de tout laver. Les couettes, les oreillers, les manteaux, les affaires de sport et tout. Bref, tout ce qui peut passer à la machine. Donc là, j'ai tout ça à ranger. J'ai pris un sac. Je fais le tour des chambres. Maintenant, tout ce qui traîne, je mets dans le sac. Je vous jure, la semaine dernière, là, j'ai rempli un sac énorme de tout ce qui traînait dans les chambres. Mais maintenant, il n'y a plus de sentiments, comme je vous ai dit. Donc, allez, let's go, c'est parti. Faut pas que je parle trop parce que j'ai 1 heure avant la sortie des enfants. Et après, je continuerai entre midi et 2, là, quand ils seront à la maison. Bon, voilà, j'ai tout trié par personne. Moi, généralement, je fais tout le temps ça. Hein. Je fais un panier par personne. Comme ça, à chaque fois, je prends le panier, je vais dans la chambre, je range le linge directement. Mais comme en ce moment, c'est mon mari qui plie le linge et que j'ai pas envie de trop le saouler avec ça, déjà qu'il me soulage, donc bah, c'est tout, c'est pas grave. J'ai fait le panier pour ma grande, panier pour ma petite. Elle a toujours plus à faire. Panier pour mon grand. Ici, c'est les miens. Bon, je suis déjà dans mon bureau dressing, donc je les ai mis là. Je vais les ranger direct. Et tout ce qui est serviette. Et puis c'est tout, il me reste juste, j'ai mis toutes les chaussettes et tout, toutes les culottes et tout sur mon lit, je vais les trier juste après. Et aussi un tapis que j'ai mis, parce que j'ai lavé les tapis aussi, je vous ai dit, je suis dans ma période de lavage, je l'ai mis sur la... Mais je vais vous montrer comment je l'ai mis. Bon, désolé, vous allez entendre la machine, mais comme je vous ai dit, j'ai lavé tous les linges de lit, j'ai lavé tous les plaids, les couettes et tout, et j'ai aussi lavé les tapis et je l'ai mis comme ça sur ma paroi de douche. Mais là c'est bon, il est sec, donc je vais pouvoir l'enlever. Allez, go ranger tout ça. Je vais déposer chaque panier dans chaque chambre. Ils auraient pu le faire eux-mêmes, mais vu qu'ils sont pas là, je vais pas perdre du temps et encore attendre je ne sais combien de temps. C'est parti. J'ai rangé le linge de ma petite dernière. Alors, pour être honnête avec vous, le linge, ma grande, d'habitude, elle le range toute seule. Vraiment, j'ai pas de souci avec ça. Depuis qu'on a trié et diminué la quantité de linge dans son armoire, elle gère toute seule, elle y arrive bien. En ce qui concerne mon fils, c'est un peu plus compliqué. Déjà, lui, il a du mal de s'organiser, même s'il range sa chambre, etc. Mais il a du mal de s'organiser dans l'espace, on va dire, enfin, dans son espace. Et le linge, clairement, il le range. Autant j'ai envie de le laisser parfois dans son autonomie. Mais vraiment, là, c'est un bazar complet. Et c'est même pas que pour ça, c'est que par la suite, il a du mal à retrouver ce dont il a besoin. Donc c'est pour ça que là, je préfère déjà trier, parce que j'ai enlevé quelques petites choses, comme vous avez vu. Et là, j'ai dû tout ressortir, tout replier, tout re-ranger. Donc c'est pour ça que son linge, je préfère autant le ranger moi. Franchement, c'est hyper simple. En haut, je mets les sous-vêtements et les t-shirts. En dessous, les shorts et les pyjamas. Et encore en dessous, une ligne pantalon et une ligne pull. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. Comme ça, il peut s'en sortir. Mais je préfère autant le faire moi-même plutôt qu'il me fasse le bazar. Ensuite, je range le reste dans sa penderie et je sors son linge de lit que je mets ici dans cette petite grille pour changer ses draps. Bon, du coup, j'ai enlevé juste ce qu'il va plus, ce qu'il y avait dans son armoire qui n'est plus de sa taille, et là, je vais faire son lit. Bon, du coup, là, j'attaque la chambre de mon fils. Franchement, j'ai voulu aérer. La première chose que je fais à chaque fois quand je rentre dans une chambre, c'est d'aérer. Il y avait un moustique comme ça.
comme ça. Je sais pas s'il est encore sur la fenêtre. Il a tenté de rentrer. J'ai refermé directement et je l'ai vu sur la fenêtre. Oh, on va attendre un petit peu, écoutez. Non, merci. Il faut que je pense à mettre des moustiquaires. Bref, donc franchement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que, en vérité, la chambre, on l'a faite il y a 2 jours. Donc, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, c'est juste. Je vais remettre la couette dans son drap parce que quand on a fait la chambre, justement, j'avais lavé la couette et on n'avait pas eu le temps de la mettre dedans. Coup d'aspirateur, petit coup de dépoussiérage et puis c'est tout. Hein. Comme je vous ai dit, vraiment, elle est fraîche la chambre là. Bon, maintenant, je vais commencer par la chambre de la petite parce que c'est celle où il y a le moins de choses à faire. Quoi que vous me direz, celle de mon fils aussi, vu qu'on l'a fini, il nous reste celle de ma grande et la nôtre à peindre, etc. Donc, ça ne saurait tarder. Donc let's go, je vais juste refaire le lit, passer un petit coup d'aspi, vu qu'on vient de la faire il n'y a pas longtemps, écoutez, elle est encore propre. Donc comme je vous ai dit, je commence par aérer la chambre et moi j'aime bien, je sais pas si il y en a beaucoup qui font ça, mais moi j'aime trop enlever les couettes, les oreillers et tout mettre par la fenêtre. Le temps de refaire le lit, etc. Un petit coup de poussière et je me dis, je sais pas, ils ont pris un petit peu de fraîcheur de dehors. Peut-être ça enlève un petit peu les acariens, etc. Donc je mets toujours un petit peu sur le rebord de la fenêtre et après bah, je refais le tout. Donc là je replace son drap, je remets sa couette, ses oreillers. D'ailleurs j'ai vu un petit coup de stylo sur la couette, je vous avoue que j'étais pas contente. Je sais pas comment ça a atterri là, elle a dû avoir un stylo dans son lit, elle s'est endormie avec ou je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas si grave. D'ailleurs j'ai pris en photo pour envoyer à mon mari. J'ai pris en photo pour envoyer à mon mari, j'ai dit, la couette elle a 2 jours, il y a déjà un coup de stylo dessus. Vraiment, je vous mo montre en mode real life. Donc voilà, je refais son petit lit, ensuite je replace ses petites peluches, je vais venir mettre un petit spray d'intérieur, histoire que ça sente bon, et voilà. C'est vraiment une routine express et ce que j'aime le plus, c'est que depuis que je vide, je vide, je vide, bah c'est encore plus express. Vraiment, il n'y a quasi rien à faire. Le lit aéré, petite poussière vite fait et l'aspirateur. Franchement, ça c'est trop trop bien. C'est pour ça que je continue à vider. En fait, ça me fait du bien. Je me rends compte, ça me fait du bien, ça me fait gagner du temps et j'apprécie de voir l'espace, les pièces de plus en plus vides. Donc là, il me restera juste à... Je pense dans cette pièce changer le tapis. J'en ai commandé un autre. Et franchement, vous m'avez trop mis le doute pour les rideaux et le lit, donc c'est encore en réflexion. Écoutez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va réfléchir. J'ai pas envie de faire des achats inutiles et ensuite regretter. Donc pour l'instant, on vient de faire ça. Voilà, c'est habitable, c'est vivable, c'est joli. Donc on va laisser ça comme ça. Il n'y a que les stickers que je vais rajouter, comme je vous ai dit. Et on verra par la suite. Bon, voilà pour cette pièce. Petite routine hyper rapide, simple, efficace. On refait le lit, coup d'aspi, un petit coup de lingette dépoussiérante, etc. sur les petits meubles. Et c'est bon. Écoutez, j'ai rien eu à jeter dans cette chambre, mais je continue avec mon sac. Je vais faire toutes les chambres bah, en allant. Donc, juste à côté, c'est mon bureau. Je vais faire mon bureau. Bon, il n'y a rien à faire, mais je vais aspirer. Bon, ici express, j'ai mon petit linge à ranger, bon ma tasse de café, etc. Je vais passer l'aspirateur, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un pantalon que je dois recoudre. Ça fait 2 semaines, ma fille elle me demande de le recoudre et j'ai pas le temps. Le piano, vous savez pourquoi il est dans ma pièce? Parce que les enfants n'ont pas le droit de rentrer ici et que ça me casse la tête. Ça, c'était pas une bonne idée. Donc, il me demande avant de l'utiliser. Et bref, je vais enlever ça et puis les étagères, je vais pas les trier maintenant. Les étagères, ça va attendre. Petit coup d'aspi. À la fin, je passerai l'aspirateur laveur. Déjà, je vais enlever ça. Voilà. Petit coup d'aspi direct et je range le linge. Hop, ça je vais le mettre là. Je vais le recoudre. Ça c'est propre. C'était les chaussettes pour le parc. Et puis tout ça, écoutez ma foi, c'est poubelle, hein. Enfin, c'est poubelle. C'est pas des choses que je garde, quoi. Ça je vais le remettre à sa place. Hop.
Ensuite, je viens mettre, j'ai rangé mon linge tout simplement, j'avais pas grand chose. Je viens ranger ma penderie et ensuite pour terminer, je vais venir replacer mon petit tapis que je vais aspirer également. Je sais pas pourquoi je laisse toujours un petit tapis quand je me change en fait. J'aime bien avoir j'aime pas avoir les pieds sur le froid directement. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit tapis. Et pour terminer, je viens vider et changer ma petite poubelle puisque je me maquille aussi souvent ici. Bon, voilà pour cette petite pièce. Écoutez, ça sera très bien pour aujourd'hui. J'ai vidé ça, il me reste juste le carton à jeter et aspirer le fond. Ça, je le recoudrai, je pense, dans l'après-midi. Donc voilà, en face, c'est les toilettes. Du coup, je vais attaquer les toilettes. Bon, c'est parti pour attaquer les toilettes. J'ai pris des lingettes pour les toilettes, le produit pour l'évier. Des fois, j'en mets même dans le toilette. Là, on a laissé la peinture parce que, comme vous voyez, on est en travaux. On a fait la chambre de la petite, la chambre de mon fils. Là, on va attaquer la chambre de ma fille. Donc, franchement, flemme de remettre au garage et de remonter. Donc, c'est parti. Comme je vous ai dit, j'utilise des lingettes pour le côté un peu plus hygiénique. Et comme ça, au moins, je les jette directement. C'est vrai que c'est pas très écologique. Mais c'est plus hygiénique que des lavettes à chaque fois à laver, etc. Ensuite, j'utilise aussi pour nettoyer l'intérieur des. J'allais dire, à la place d'utiliser de la javel ou une brosse, et ben c'est pareil, j'utilise un truc, une brosse comme ça que je vais jeter à la fin. Elle est très efficace, vous lavez en citron, senteur citron, senteur lavande, senteur marin. J'en ai dans toutes mes toilettes et je trouve ça hyper plus pratique et hygiénique qu'une brosse. Bref, vous connaissez, je ne vais pas vous faire le détail. Ensuite, une fois que j'ai terminé de nettoyer, je le jette dans ma poubelle que je garde toujours avec moi, pas très loin. Et franchement, vous en trouvez un petit peu de partout maintenant, à pas très cher. Vraiment, sur Shein d'ailleurs, vous en avez 20, vous avez même tout le kit là, la brosse plus les petites pastilles, j'allais dire réutilisables, les petites éponges, à pas très cher. Ensuite, j'enchaîne avec mon évier et je passerai un petit coup d'aspirateur. Ensuite, je vais sécher l'évier et nettoyer les miroirs. Bon, je vais terminer en séchant et en faisant les vitres. Enfin, il n'y en a qu'une, miroir. Voilà. Comme ça, c'est reste bien brillant. Bon, du coup voilà, toilette propre. Je vais juste faire la vitre juste en face de mon. Juste ici là, je ne l'ai pas faite celle-ci, j'ai oublié. Et puis je vais attaquer ma chambre. Écoutez, je vais juste aussi lancer le. Comment ça s'appelle? Sèche-linge parce que la machine est finie. Je vais juste lancer. Hop! Mon sèche-linge et je ferai la salle de bain après ma chambre. Pendant que j'ai le torchon dans les mains. Hein. Franchement, ça fait beaucoup de poussière. C'est incroyable toute la poussière que j'ai dans la salle de bain. Avant, j'en avais pas, mais là, c'est catastrophique. Bon, du coup, je vais continuer avec ma chambre. Là, je vais changer tous mes draps et puis nettoyer le sol.
Du coup, je commence par vider les tables de chevet. En fait, je vide la table de chevet de mon mari. Franchement, s'il y a un truc qui peut m'énerver, je vous dis la vérité, c'est quand mon mari, il mange en haut, mais que le matin, il ne descend pas sa vaisselle. Là, en l'occurrence, il y avait une tasse, il y avait son Checkers et il y avait un bol. Bref, je les ai enlevés. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais ça, par contre, c'est waouh. C'est vraiment, c'est quelque chose. Bref, passons. Ensuite, je change les draps. Je vais remettre le même drap de la même couleur. En vrai, je voulais carrément jeter ce drap que je viens d'enlever parce que j'ai vu qu'il y avait des petits trous dessus. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je vais mettre tout le reste par la fenêtre parce que, comme je vous ai dit, je rentre, j'aère, je mets les couettes et les etc. par la fenêtre, tout ce que je peux. Et là, d'un coup, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai vite tout enlevé. Et ensuite, eh ben, je mets une nouvelle housse de couette. Ensuite, je remets ma housse de couette et mes taies d'oreiller. Alors, comme je vous ai dit, moi, je mets toujours une taie d'oreiller pour moi en soie. C'est super bien pour la peau, c'est anti-rides un petit peu, on va dire. C'est aussi super bien pour les cheveux surtout. Ça évite la casse de cheveux, etc., la perte de cheveux, bref, c'est bien. Ensuite, je mets une nouvelle couette et taie d'oreiller. Donc, j'ai pris, j'avais depuis un certain temps une housse verte. Mais là, j'ai changé, je suis repartie sur le beige. Franchement, c'est une valeur sûre. Mon mari est rentré pile poil à ce moment-ci. J'en ai profité directement pour lui demander de m'aider à faire la housse de couette. Franchement, ça, c'est quelque chose. C'est trop galère. Donc, à deux, c'est plus pratique. Et ensuite, je replace le tout. Ensuite, je retire pour la deuxième fois le bol qu'il a remis en rentrant 2 minutes dans la chambre sur sa table de chevet pour passer un petit coup de lingette sur les tables. Et bien sûr, je finis avec un bon coup d'aspirateur sur le sol. Bon, du coup, j'ai fini ma chambre. Je vais faire la chambre des petits, mais c'est vraiment rapide parce qu'ils ont déjà tout rangé eux-mêmes. Là, j'ai pas remis tous les tapis dans aucune pièce parce que je vais passer l'aspirateur laveur après, donc je remettrai mon tapis après. Et là, je vais passer un coup d'aspirateur dans la chambre des petits. Les draps sont propres, ils ont ramassé tout ce qui traînait, etc. Donc moi, en vrai, j'ai pas grand-chose à faire. Bon, dans la chambre de ma fille, elle a tout fait hier, elle a tout nettoyé à la lingette, etc. Ses petits accessoires, son bureau et tout. Là, elle a fait son lit. Maintenant, je leur demande de faire le lit le matin avant d'aller à l'école. J'ai juste plié son plaid. Là, son plaid, elle veut que je le lave H24. Je lui laisse parce que des fois, la nuit, elle a un peu froid. Et elle a fait son lit, mais grossièrement. Mais franchement, je repasse plus derrière eux parce que c'est pas leur rendre service. Je les laisse comme ça, elle se perfectionnera. Plus elle va le faire, plus ça sera nickel. Mais là, je le laisse comme ça pour pas qu'elle soit frustrée que je repasse à chaque fois derrière elle. Genre, c'est pas fait comme je veux moi, mais c'est pas grave. Donc, moi, je vais juste. J'ai récupéré son linge sale. Elle a débarrassé tout ce qu'elle avait, etc. Donc, là, je vais juste passer l'aspi, hein, en fait. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'il y avait juste son pyjama. Et ses chaussons, donc je les ai mis là, dans le truc qu'il y a derrière. Et puis moi je passe l'aspi, après je passe le laveur. Bon, une fois l'aspirateur terminé dans la chambre de ma fille et le moustique OGM parti de la chambre de mon fils, je peux enfin venir l'attaquer. Donc, les draps de ma grande étaient propres, ceux de ma petite aussi. J'avais que les miens et ceux de mon fils à changer, enfin juste son drap housse. Donc, c'est ce que je fais, je change son drap housse, je laisse toujours une protection sur le matelas pour qu'il reste bien propre. Je la nettoie une fois par semaine, mais j'en laisse tout le temps une parce que les enfants, ils suent, ils bavent, etc. Bref, vous connaissez. Donc, faut toujours protéger le matelas pour pas qu'il y ait des traces jaunies, etc. Donc, ensuite, je viens mettre la housse était neuve. Donc, je viens juste mettre la couette que j'avais lavée dedans. J'avais pas eu le temps quand on a fait la chambre, comme je vous ai dit. Et donc, je viens juste faire ça. Et ensuite, un bon coup d'aspirateur. Et ça sera parfait. Franchement, c'est des routines à faire vraiment tous les matins. Si vous n'avez pas le temps, on va dire tous les 2 jours. Moi, ce qui est bien maintenant, c'est que les enfants, je leur demande de faire le lit le matin. Donc là, ils l'avaient fait grossièrement, mais je savais que j'allais le refaire de toute façon. Et surtout, ils rentrent le midi. Donc maintenant, le midi, je leur dis, bah, de temps en temps, ils veulent regarder un petit dessin animé, etc. Je leur dis, vous mangez, donc ils se débarbouillent, et ensuite, vous faites vos chambres, et ensuite, vous pourrez regarder un petit dessin animé. Ça m'avance de fou, parce qu'au final, moi, j'ai plus que l'aspirateur à passer, et ça, c'est trop bien. Plus ils grandissent, plus ils deviennent autonomes, je pense, plus ils donneront un coup de main à la maison, plus ils feront des choses que bah, on n'aura pas à faire. Même si on est beaucoup dans le ménage, c'est normal, on a une famille, on a une maison, mais ça nous soulage quand même. Que chacun participe à son niveau, ça nous fait des tâches en moins.
Bon, c'est bon les amis, du coup j'ai terminé le haut. Là, il faut que j'attaque le repas pour ce soir. Entre-temps, les enfants sont rentrés, sont retournés à l'école, etc. Mon mari, il est rentré du boulot. Là, il est en train d'accrocher les cadres dans le salon. Enfin, vous savez, les cadres que j'avais posés sur le canapé. Il est passé chercher un petit gâteau pour la petite. Demain, c'est son anniversaire. On va lui faire un petit anniversaire entre nous à la maison. Elle va en faire un à l'école avec ses camarades et elle va en faire un bah, là où j'ai réservé avec ses copines. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer. Attendez le gâteau. Il lui a pris un gâteau comme ça chez Leclerc. Et c'est au biscuit. C'est une sorte de, je sais pas trop, fraisier. Voilà. Donc ça sera pour entre nous pour demain. Et histoire de marquer le coup parce que demain c'est sa kermesse à l'école. Donc on peut pas faire grand-chose vu que la kermesse c'est jusqu'à 21h dans leur école. Donc voilà, petit gâteau franchement. Vraiment je n'assume pas. Elle va avoir 5 ans, je suis choquée. Ça passe tellement vite. Oh, incroyable, vraiment incroyable. Bon, c'est parti pour tondre à la pelouse parce que là, franchement, c'est devenu une forêt ou je ne sais guère. Tellement c'est haut, quoi. Il y a même des arbres qui ont poussé et tout. Incroyable. Bon, je regarde si les enfants n'ont rien laissé traîner. Regardez mon fils, le trou qu'il a fait. Là, là, juste là. Franchement, comment c'est monté, c'est abusé. Je crois qu'ils font la taille de ma fille. Regardez cet arbre-là. Il est énorme. Bon, en vrai, de vrai, c'est un arbre vraiment. Mais là, il a trop dépassé, quoi. Bon, allez, let's go, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai terminé. J'ai pas fait que les bordures et le fond et tout parce que c'est des petits arbres mais costauds donc bref, j'ai pas la force. J'y arrive pas, c'est mon mari qui fera et maintenant il faut faire la cour avant. Bon, c'est parti pour la cour avant. Je vais faire tout ça et je vous retrouve juste après. Franchement, il y a du taf, hein. Bon, c'est bon les amis, j'ai fini, j'ai fait la salle de bain du haut, ensuite je suis descendue. Je vous ai pas filmé pour que ça aille plus vite. J'ai fait les toilettes d'en bas, j'ai fait le couloir et là j'ai bien terminé la cuisine. Je suis tranquille. Bon, à la base, il devait juste accrocher des cadres. Et finalement, il est parti songer parce que apparemment, il va repeindre. Vu que, comme je vous avais dit au début, il n'avait pas refait le plafond. Et la peinture qu'on avait prise, elle était mate, elle n'était pas très jolie. Donc, bah, il va faire comme la peinture du salon. Puis, il va repeindre ce salon aussi. Pour avoir le même résultat qu'à côté. À côté, c'est bien brillant. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, là, on voit un peu. On n'avait pas fait le plafond, on avait fait à l'arrache, c'était les premiers mois. C'était la première pièce qu'on avait fait. Et regardez ici, cette peinture-là, elle est trop trop belle. Elle n'a rien à voir. Donc voilà, on est passé d'un j'accroche des cadres à un je vais repeindre. Bon, j'ai protégé mon canapé comme j'ai pu, j'allais jeter ce drap-là. Et ben pour l'instant, ça servira à protéger le canapé parce que du coup, ben, il est au milieu de la pièce. Et bah c'est parti pour la peinture. Pour rafraîchir. C'est juste un rafraîchissement. C'est du blanc sur du blanc, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je pense que quand même, on va voir un petit peu que c'est plus brillant, plus lumineux. Au plafond déjà. Au plafond, c'est sûr même. Ouais, de fou. Là, c'était gris, limite blanc terne. C'était beige. Ouais, ça se voit direct. A few moments later. Donc c'est bon, on a tout remis en place. Avec les petits cadres comme ça, donc j'en ai mis deux ici. J'hésitais entre deux et trois, mais écoutez, j'en ai mis un troisième au-dessus de ce fauteuil ici. Donc voilà, bon, je vais bien repositionner, bien remettre les oreillers, mais en tout cas, voilà.
Mon petit repas fait par Mister. Apparemment, c'est tunisien. Ouais, c'est parce que ça pique. Poulet, coquillette au blé complet, sauce tomate avec des épices. Avec des épices et une sauce chili et une huile comme ça. Regarde, Ah, tu t'as peux mis montrer. l'huile pimentée, le piment. Ah, bah, C'est tu m'étonnes ça. que les enfants ils Regardez. disent que ça pique. Ça va? C'est pas trop piquant, les petits? C'est pour ça que tout à l'heure je les vois Regarde, boire. Ah, bah il oui, boit tu de l'eau à m'étonnes. boire. Non, je bois pas. Ouais, de temps en temps, allez, un petit côté Allez, bon piment, allez, un appétit. petit côté épicé. Bah ouais. Voilà les amis, une bonne routine ménage en profondeur. J'espère que ça vous aura plu. Là, il me reste juste à aller plier le linge qui vient juste de finir du sèche-linge et je suis tranquille. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura motivé, que ça vous aura donné la force de faire votre ménage en profondeur. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!